Salut à tous, bon aujourd'hui nouvelle vidéo, enfin ça fait un mois, je suis au mieux, c'est que surtout il faut que j'avance vachement pendant qu'il fait beau, après il faut que je m'embête à tout bâcher dès qu'il pleut 2-3 jours, et même quand il pleut du coup je bosse aussi dessus, parce que vous allez voir au fur et à mesure de l'avancement, bah, déjà je peux dire un petit peu que ça a quand même vachement bien avancé. Donc voilà, donc là on est sur le plancher, la vidéo, donc quoi vous dire, bah, c'est que du timelapse pour que ce soit moins chiant, moins long, parce que c'est hyper répétitif, donc voilà, il n'y a pas un gros intérêt non plus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires en dessous là, posez vos questions ou quoi que ce soit, voilà. Un petit encouragement aussi, c'est bien, ça fait plaisir. Et non mais surtout, et puis à côté il y a s'abonner, franchement, là ça coûte rien et puis c'est motivant. Donc on s'abonne, on active la petite cloche, comme ça vous êtes averti dès qu'il y a la nouvelle vidéo. Certes c'est pas tous les jours, et comme ça voilà, vous ratez rien. Donc là le plancher, je vous retrouve à la fin de la vidéo pour faire un point sur le coût et le temps passé, voilà. Comme ça, ça peut aiguiller certains pour faire des réparations, refaire un camping-car, refaire tout un plancher, voilà. Donc voilà, moi, encore une fois, par contre, ce que je dis bien, c'est j'ai pas la science infuse, je fais comme je le sens, j'ai l'habitude de beaucoup bricoler, je suis dans le bâtiment, donc je peux aller poser des questions un petit peu, justement, à différents corps de métier, en fonction des besoins que j'ai, et de savoir ce qui se fait, ce qui peut être fait ou pas. Donc je fais en mon âme et conscience, je dis pas que c'est parfait, moi ça me plaît, c'est le principal. Donc voilà, si ça peut inspirer, si ça peut aider, voilà. Allez, bonne vidéo, on se retrouve à la fin pour faire le topo. Allez, à tout à l'heure.
Donc voilà, bon, vous avez vu un petit peu l'avancée du plancher. Enfin, donc là, le plancher est terminé. Il manque là, juste la petite partie avec le contreplaqué marine du dessous. Contreplaqué marine de 15 que j'ai pris. Voilà, donc pour faire un petit topo, ce que je vous disais au niveau des prix. Donc pour ce qui est vraiment ossature bois, il faut compter environ 100 €. À peu près, un peu moins, ça tout dépend des bois que vous choisissez pour faire l'ossature. Ensuite, les produits de traitement, donc parce que j'ai traité tous les bois, même si éventuellement ils l'étaient, je les ai retraités contre tout ce qui est champignons, bestioles et tout ça, et pour l'humidité. Donc le contreplaqué marine du dessous en 15 mm, donc moi j'en ai eu pour 240 €. Le contreplaqué du dessus, 88 €. Le polystyrène, donc lui, il faisait 60 d'épais. Donc là, j'en avais pour 80 € et il faut compter à peu près 40 € de vissé. L'espèce de polystyrène alu, ça c'est de la récup. C'est style les colis un petit peu congelés ou les choses comme ça où il y a ça dedans. Donc j'avais l'opportunité de récupérer ça, donc je m'en suis servi. Ça ferait une isolation supplémentaire. Donc ça sera que mieux. Donc voilà, donc pour la partie plancher, ça c'est fait. Donc voilà, ça fait un total en gros 640 €. Voilà, pour le total. 640 € et en temps de travail, entre l'ossature, y avait du délai pour le séchage pour les bois. Faut compter 3 jours, 3-4 jours de travail. 3 jours. Allez, 3 jours de boulot, 3 bonnes journées. Ouais, comme vous avez pu voir, il y a des soirs où ça travaille tard. Il y a la journée de boulot et après, dès que je rentre, pouf, sur le camping-car. Donc voilà. Donc si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas. Encore une fois, pensez à vous abonner, un like. Ça permet de référencer la vidéo, donc c'est que bien. Et donc et bien, là, j'espère poster la prochaine très rapidement. Ça sera les murs, les cloisons, tout ce qui est mur extérieur et tout ça. Donc voilà, là... Tous les plans sont faits, donc j'ai plus que le montage à faire. Faut juste un petit peu de temps. Allez, je vous dis à très vite. Bonne continuation à tous. Ciao, ciao.